c'est ce qu'il va faire. Après, c'est le fameux de la carte difficile. Très fatigué avec la carte. Je suis avec la passion. Et maintenant, on commence à travailler avec tous les dossiers de sponsoring pour la recherche des matchs. Et je vais faire quand même l'année dernière trois courses de championnat du monde de rallycross. C'est rien à voir avec le Dakar, rien à voir parce que ça c'est très très excitant et il y a beaucoup d'adrénaline et la dernière fois qui souffre pas trop parce que la course est superbe et bon, je travaille aussi pour la construction de l'Evagen pour aller le Dakar et les qui va normalement démarrer, c'est lui. Ouais, normalement, oui. Tu sais qu'ils sont en contact, ils m'ont dit aussi aujourd'hui qu'ils sont très avancés dans la communication avec le groupe. Et je pense que ça, c'est une très bonne idée parce que le sable de Pérou, c'est très exceptionnel. On a passé le 2014, je pense. Et c'est très spécial et très bon. Parce que le Dakar a besoin un peu plus de sable. Ça, c'est une bonne occasion de l'organisation d'aller sur notre pays nouveau parce que les meilleurs mois de meilleure année ne sont pas là. Ça, c'est très bon pour nous. C'est très bien. Vous êtes tout le meilleur en cette saison pour le Tour du Dakar. On va le suivre. On vous dit que ça vient de bon. Ok, merci beaucoup. Bientôt.